Eh bien, salut tout le monde, c'est Madison. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la mise à jour du 6 janvier 2021. Et dans la mise à jour d'aujourd'hui, on n'a pas grand chose de nouveau. En tout cas, tout ce qu'il y a de nouveau, ben, c'est pas. On va dire, c'est du contenu où, bon, ben, soit tu te l'appropries, soit tu te l'appropries pas. Et moi, honnêtement, ben, je ne vais pas me l'approprier parce que ben, je m'en fous un petit peu. Mais bon, bref, on ira voir ça juste après. Mais c'est vrai que moi, bon, c'est pas franchement. Les trucs qui m'ont intéressé, je vais pas vous le cacher, ce qui a été ajouté. Mais bon, sinon, dans ça, il y a eu des bugs qui ont été réglés. Alors, ils ont pas été réglés aujourd'hui, ils ont été réglés, je crois, hier ou quoi, parce qu'il y avait une mise à jour aussi. Mais ils ont fait la petite note aujourd'hui. Alors, ils ont pas tout mis dans la note, c'est pareil. Ils font des notes de on règle des bugs, mais ils écrivent pas tous dedans. Écoute, moi je sais pas. Moi, au bout d'un moment, j'ai fini par arrêter de chercher. Donc, déjà. On va se rendre au village de Noël. Alors, est-ce que j'ai des... Non, j'ai pas d'équipement sur moi nouveau. Bah non. Bon, bah du coup, on regardera ça à partir du village. C'est vrai qu'il y a un problème avec la collision de ce truc-là. Donc, alors, déjà, au village de Noël, hein, il y a deux, trois petits trucs nouveaux. Alors, la vidéo va pas durer longtemps parce que, de toute façon, il y a pas grand-chose à montrer. Hein, donc, de toute façon, je vais vous montrer ça vite fait. Et puis ensuite, ce sera tout. Hein. J'ai pas créé un blabla sur rien. Donc, déjà, ici... En haut, on peut du coup observer les étoiles à partir d'ici. Ah, d'accord. On peut... Alors, ça, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. On peut cliquer partout, mais ça fait rien. Je comprends pas comment ça fonctionne ce truc. Alors, je sais que voilà, ça bouge si on. Ouais, bon, voilà. Si on bouge la souris, bon, ça bouge, mais ça bouge un peu de façon YOLO, quoi. Bon, écoutez, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait. Hein. Très honnêtement, je vous dis, j'ai essayé, mais là on peut aller par terre. Pourquoi, je ne sais pas. Je sais même pas en fait si c'est censé faire ça ou pas. Je ne sais pas. Si c'est normal. Hein. Mais bon, admettons. Et du coup, ouais, on. Je fais le cas en plein milieu. Bon, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait, ça, très honnêtement, donc on va pas chercher plus. Du coup, ensuite. En bas sur le lac, il y a des canons à neige qui ont été mis. Alors où est-ce qu'ils sont? Puis il y a la chorale aussi normalement. Voilà, ils sont là. Donc les canons, en fait, ils ont juste remis les events pour avoir des vœux, mais là juste t'as pas de vœux. C'est juste ils ont été mis là comme ça. Et donc en fait c'est, alors ils disent c'est pour faire des, enfin c'est pour jouer à la bataille de boules de neige tous ensemble. Bon, ok, admettons. Bon, après, c'est marrant, ça fait voler dans tous les sens, waouh, MDR, mais ok, admettons. Et ensuite, on a les pingouins. Alors, du coup, là, la course, oui, c'est l'espèce de course du traîneau qu'il y avait ici avant, ils ont pas remis, et je suis déçue parce que j'aimais bien. Sinon, ils ont mis. Alors, attendez, parce que ça s'affiche que quand on est à 5 cm du truc. Alors, ils ont censé avoir mis la chorale des pingouins aussi. Non, je crois qu'ils ont tout mis au village de Noël, hein, d'après ce qu'ils ont dit dans la mise à jour. Tout était mis au village de Noël. Mais du coup, je trouve pas la chorale des pingouins. Hein. Alors, ça se trouve, ils l'ont mis dehors, hein, pour une fois, ils ont mis un truc dehors, mais. Enfin, pour une fois, non, mais. Mais là, je ne trouve pas la chorale des pingous. En vrai, comme je dis, vu que la distance d'affichage, elle est de 10 mètres, forcément, ça n'aide pas. Bon, je pense pas que ce sera trop là-bas, parce que de toute façon, là-bas. Ah, quoique, il y a un truc là-haut. C'est quoi le truc qui est là-haut? Ah si! Ah, ils ont été mis là? Alors je sais pas s'ils sont mis que là ou s'ils sont aussi mis ailleurs. Bon, c'est un peu bizarre de les foutre là vu qu'on est au fin fond de nulle part, mais ok. Oui. Oui. Et je veux pas cliquer sur lui. Je vais cliquer sur le dernier. Bon, ok. Bon bah là, les pingouins c'est comme d'hab, on peut cliquer dessus pour qu'ils fassent de la musique, ok, mais... Je veux le dernier, putain, laisse-moi cliquer sur le dernier, mais... Oh la vache... Mais putain, mais c'est toujours aussi bien fait, ça c'est pareil. Mais je veux le dernier, mais... Putain, et vas-y, alors... Le truc, tu vois qu'ils ont bien... testé où le mettre, y'a pas de soucis... Mais je veux le dernier, mais putain... Laisse-moi cliquer sur le dernier. Je peux pas cliquer sur le dernier. Bon, c'est de la merde. Ok, bon bah ils ont ajouté ça, écoutez si ça vous amuse allez-y, mais moi ça me saoule. Du coup ensuite
Bon là, si on va aller voir quand même. Mais c'est à Mourland, du coup j'y suis pas, donc il va falloir qu'on y aille. Mais avant ça, je vais vous montrer un truc. Bah, Coco Morland, je pourrais vous le montrer aussi finalement. Bah, on va tout faire Morland du coup. Bah, du coup, go reconduite en fait. Alors, normalement, ils ont réglé le problème des cadeaux du calendrier. Donc, normalement, pour ceux qui n'avaient pas pu prendre le Jolbok, etc., vous pouvez maintenant y récupérer. Ça a été corrigé de ce qu'on m'a dit. Hein. Je ne suis pas allé vérifier, mais normalement, ça l'a été. Donc, tant mieux. Du coup, allons nous rendre à Morland pour voir la dernière chose. Les murs invisibles, j'en peux plus. Hein. Il y en a H24 partout. C'est un vrai plaisir. C'est pas là le vent, c'est là-bas. Alors, donc à Mourland, le truc qu'il y a, c'est que c'est un petit Gugus là, qui en fait fait que si. Alors, je crois que c'est que les aurores boréales que vous n'avez pas pu faire sur le mois de décembre. Mais en gros, bah, toutes celles qu'on n'a pas fait, ou en tout cas les jours du coup où on n'a pas eu les 16, et bah, du coup ça nous renvoie entre guillemets dans le passé pour aller faire les events de ces. Alors, quand je dis ça renvoie dans le passé, vous inquiétez pas, le jeu va juste être pareil, c'est juste que ça va faire apparaître les aurores boréales, genre du 13 décembre. Et en gros, c'est pour les gens qui n'ont pas pu cumuler assez de vœux. Et bien comme ça, en parlant au petit Gugus qui est là, vous pourrez aller récupérer les vœux que vous avez loupés, et comme ça vous avez la chance, enfin une seconde chance d'obtenir bah, tous les items et tous les trucs si vous n'avez pas eu assez de trucs. Et du coup voilà, ça modifie les activités des aurores boréales. Donc là, bah, y en a, vous les voyez là. Bah, si je changeais, et ben, elles seraient plus aux trois endroits qu'on voit là, mais elles seraient ailleurs. Et après, alors, par contre, vous avez compris, ce qui n'est pas pratique, c'est qu'il faut déco-reco entre chaque fois où vous changez les aurores. Du coup, c'est un peu chiant à faire. On va pas se le cacher. C'est quoi ce pack qu'il a le purse anglais, souris? Moi, je sais que c'est le pack qu'ils ont mis. Ça fait tellement longtemps que je me souvenais plus que c'était ça. Bon, bref. Bon, après, moi, j'ai déjà tout échangé. Et puis, j'en ai même 100 drabes. Donc, très honnêtement, je m'en fous. Après, c'est pratique pour les gens qui n'ont pas pu voilà, faire l'event à fond. Donc, ça, c'est cool. Mais j'avoue que moi, honnêtement, je m'en fous. Et du coup, alors, je vais mettre comme ça. Juste parce que vous vous souvenez que. Non, c'est pas toi, c'est l'autre. Je gueulais que. Les équipements avaient une mauvaise texture, effectivement c'était le cas. Et normalement ça a été réglé, donc on va essayer de regarder dans les derniers équipements. Alors même l'armoire ça a l'air d'aller mieux. Donc ça fait plaisir, mais c'est bien de régler le problème de l'armoire une semaine avant la fin. Mais bon, soit. Alors, bon, on est peut-être un peu trop près, on va reculer un peu. Mais bon, au moins c'est réglé, mais comme je dis, c'est un peu con de le faire une semaine à la fin de l'event. Mais bon, admettons, au moins c'est fait. Alors. Ils ont réglé les textures qui étaient un peu dégueu, donc j'avoue que ouais, le tapis est. Non, le tapis rend mieux. Même si le bas est toujours un peu dégueu, le reste du tapis rend mieux. Ouais, même la selle, elle a une meilleure qualité. Parce qu'en fait, ils ont écrit. Enfin, on m'a dit. Du coup, c'était depuis la mise à jour d'Halloween que ça avait une mauvaise texture. C'est pour ça que je regarde les équipements d'Halloween en premier. Ouais, franchement, ils ont réglé les textures, même si bon, y a des trucs qui sont toujours un peu moches, mais ça je crois que c'est juste le truc de base du coup qui doit être moche du coup. Je crois que c'est ce qu'il faut comprendre. Mais ouais, voilà, ils ont vraiment réglé. Regardez là la texture, elle est superbe, franchement. Parce qu'on voyait qu'elle n'était pas très nette, mais là du coup voilà, ils ont réglé du coup ouais, les textures qui n'étaient pas très belles. Donc ça c'est cool parce que ben, enfin, c'est un peu relou d'avoir des équipements qui sont pas beaux, surtout que enfin. Ils font des équipements qui sont plus jolis qu'avant, donc si c'est pour qu'ils aient une résolution un peu bah, nulle, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Bah, je crois que j'ai rien acheté d'autre depuis, bon ça passe pas dessus de toute façon. Donc bon lui les rennes c'est toujours un peu bizarre, mais c'est peut-être juste ces rennes qui sont. Après du coup je prends vu que c'est censé avoir été réglé et qu'on voit que ça a été réglé sur certains objets, je prends en compte que sur les objets sur lesquels c'est moche, parce que c'est juste moche de base en fait. C'est ce qu'il faut comprendre je crois. Tiens, il y a ça aussi. Bon, alors lui, bah lui, du coup, il est moche de base ou quoi, non? Bon, lui, il est pas. Bah, de là, ça va, mais quand on regarde de près, ok, bon, admettons. Bah, lui, c'est peut-être juste moche de base. Là, la selle, c'est ok. Bon, bah, comme je dis, il y a des trucs, faut croire que c'est moche de base, je ne sais pas. Ah, tiens, ça, c'était bien dégueu. Bah, c'est toujours dégueu, hein. Bon, c'est. Enfin, ouais, j'ai l'impression que c'est moins dégueu qu'avant, mais on voit toujours qu'il y a des. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, non, c'est moins dégueu, mais du coup, faut croire que les parties qui sont toujours un peu moches, c'était moche de base. Bon, ok. Mais bon, en vrai, c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, c'était vraiment horrible.
Ouais, non, franchement, ouais, c'est mieux qu'avant. Pas sur tout, mais comme je dis, les trucs où, ben, où ça reste pas très beau, ça devait pas l'être de base. Après, là, on voit que, ouais, en vrai, ça va. Mais c'est genre, là, on voit l'arrière, bah, c'est. Ouais, c'est toujours un peu laid. Mais à l'avant, ça va. Bon, bah, comme je dis, c'est la texture de base, quoi, qui est pas ouf, mais bon. Au moins, ça règle la plupart des problèmes sur la plupart des équipements qui rendaient pas beau. Et c'est déjà ça de prix. Et moi, c'est vraiment en fait. Enfin, bon, du coup, c'est pas partie de la mise à jour, c'est plus bah, la correction de bugs qu'ils font. Donc, bon. Et moi, on va dire, c'est le seul truc qui m'a hypé là de là tout de suite, c'est le fait qu'ils aient réglé les problèmes de résolution des équipements qui étaient du coup bah, pas très beaux, quoi. Et sinon, bah, je crois que c'est tout, hein. Donc, voilà. Bah, je sais pas où je vais, très honnêtement, je vais pas vous le cacher. Mais du coup, voilà, bah, c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Donc bon ben voilà, déso pas déso, mais hein, je peux pas inventer un contenu qu'il n'y a pas. Après c'est vrai que bon, on est à la fin de l'année, je comprends que les mises à jour soient plus légères, mais comme je dis déjà cette année les mises à jour n'ont pas été forcément très lourdes, et les seules mises à jour lourdes, il y a eu plein de problèmes, plein de bugs avec, enfin qui sont déjà même pas résolus pour la moitié, donc bon, vous voyez où je veux en venir. Bref, c'est pas le moment de gueuler, on va être raisonnable et on va voilà, arrêter là. Bref, j'espère que cette petite présentation de mise à jour vous aura plu. Et bah voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne, une bonne soirée, etc. Et même une bonne journée pour ceux qui la commencent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un live. C'était Madison, bye bye tout le monde.